montée avec du beurre de Bretagne. Tout simplement, ça va être quelque chose d'élégant, gracieux, et vous aurez le bouillon qui viendra nourrir ce côté gras du saumon, parce que le saumon, il sera un peu tiède au four. C'est très simple à faire. On peut le faire facilement à la maison. On prend, c'est d'avoir la sauce du koji, et vous allez voir, c'est très facile. On va préparer le saumon fumé. On va prendre deux belles tranches de saumon fumé, assez épaisse. Vous voyez? Et vous voyez? Et je vais vous faire un montage après. Voilà. On fait des petites billes de concombre. Je mets le navet. On laisse un peu cuire. Là, ça moue. Regarde. Viens voir. C'est très joli. 1, 2, 3. Hein? Une fois que c'est fait, voilà. Ah, ok. Ouais, nous allons mettre ce saumon pendant quelques secondes au four à 240 degrés. Très important. Il va légèrement alors je vous présente une aiguillette de saumon fumé avec un bouillon de chicogi et surtout avec des petits légumes de saison et des fleurs. C'est un plat qui est facile à faire à la maison. Vous pouvez le faire à vos amis et vous allez voir, vous allez vous régaler. Bon appétit! Solène, Solène qui est ma fille, c'est très très bon, très simple, voilà. Et très goûtu. Voilà, merci bien, bon appétit.